zombie apocalypse. Yo, salut les gamers, comment ça va? Moi ça va, Nishmel Chrome. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 3 d'activités What the Fuck. Alors avant de commencer, je vous rappelle que mon live se déroule demain sur mon site internet, juste après le rassemblement GTA que j'ai organisé à 17h30. J'espère quand même que vous serez nombreux. Bon allez, on va commencer tout de suite ce top 3 d'activités. On se retrouve sur une course moto, en course sur les 3 mêmes bâtiments. Moi personnellement, je les aime bien les courses à cet endroit-là. Je sais pas vous. Moi c'est comme d'habitude, il y a pas mal de conteneurs, des rampes, des stunts, que demander de plus en fait. Maintenant c'est vrai, elle se répète un peu la course, mais je pense que ce sera peut-être bien la dernière que je vais présenter, à part peut-être une vraiment What the Fuck. À la limite, j'ai même plus rien à dire. Vous les connaissez ces courses-là. Donc on va passer tout de suite à la deuxième activité. Ici, on se retrouve sur une course vélo, bien what the fuck, parce que vous aurez des conteneurs verts, des blancs, tout autour de la montagne, des rampes, des stunts, enfin des sauts, il y a vraiment de tout. Vous devrez escalader la montagne, et je pense en fait, je suis même presque sûr et certain, que c'est pas un gars qui a une console normale qui a fait ce genre de course là. Parce qu'il y a des conteneurs, des rampes et tout ça enfoncés dans la montagne. Et c'est vraiment, vraiment bien fait. Franchement, elle est cool la course. On a vraiment bien kiffé avec les abonnés. Le seul point négatif, c'est juste que vous devrez remonter la montagne une ou deux fois. Ce qui est un peu chiant au vélo. Mais bon, ça va, ça passe pour tout le reste qui est vraiment what the fuck. Bon, on va passer tout de suite à la première activité. Ici, on se retrouve sur une activité qu'un de mes abonnés a faite pour moi. Donc je me devais de la présenter, c'est vraiment gentil à lui. Et tu m'as surpris, franchement, merci. La course, elle est pas mal faite du tout. Il y a un mini trial à faire au début, avec des conteneurs, des rampes empilées. Il y a une méga rampe pour atterrir sur une plateforme plus loin pour choper le point de spawn. Non, sérieux, elle est finie. Franchement... je vous invite à aller la tester plus bas dans la description, je laisserai les liens. J'en profite pour vous inviter dans mon groupe Facebook, Journal du Geek Officiel. N'hésitez pas à le rejoindre, ça me ferait super plaisir et vous serez plus vite au courant des prochaines sorties de mes vidéos. On passe tout de suite à l'activité bonus. Ici, on se retrouve sur une course pas trop what the fuck, mais moi je l'ai vraiment bien aimé. Vous allez spawn sur des conteneurs et vous allez devoir faire un méga saut et atterrir sans exploser tout en bas du mont Chiliad. La course elle est pas super longue, mais la cascade que j'ai dû faire, franchement j'ai dû la recommencer 3-4 fois avant de retomber sur mes 4 roues, parce que sinon j'explosais tout le temps. C'est ça que j'ai vraiment bien aimé, donc je vous invite quand même à aller la tester. J'en profite pour vous rappeler que le rassemblement GTA est demain à 17h30 jusqu'à 20h, ensuite je serai en live jusqu'à 9h, donc 21h, et je répondrai aux questions des abonnés, donc à vos questions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la vidéo du live, ça me ferait super plaisir. Bon ben voilà, cette vidéo touche tout doucement à sa fin. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous laisse sur ces images et je vous dis bon game les geekettes de mort.